C'est à la caserne du groupement 1 de la garde républicaine assise à Trècheville que le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a entamé sa tournée dans les unités militaires. Pour sa première visite dans cette unité militaire depuis sa prise de fonction à la tête du ministère de la Défense, Ahmed Bakayoko a pu faire connaissance avec cette unité chargée de la sécurité et de la protection du président de la République, des hautes personnalités et des institutions et édifices nationaux. À ces missions s'ajoute sa participation au maintien de l'ordre et aux services d'honneur. Après la présentation de la garde républicaine, Ahmed Bakayoko a visité l'intérieur de la caserne pour s'imprégner des conditions de vie et de travail de cette unité qui, malgré ses difficultés d'ordre matériel, entend se surpasser pour accomplir ses missions. Tous les différents services ont été passés en revue par le ministre d'État Ahmed Bakayoko, qui avait à ses côtés le chef d'état-major général des armées, Touré Sékou, et le chef de corps de la garde républicaine, le lieutenant-colonel Ouattara Issiaka. Occasion pour le ministre d'État Ahmed Bakayoko de faire corps avec ses hommes, heureux de l'accueillir au sein de leur unité. Un rapprochement avec ces éléments matérialisé par une remise de présents et un repas de corps.